Yo, yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce nouveau live, dans ce troisième live sur Professeur Layton et l'étrange village. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très très bien, un peu fatigué comme d'habitude parce que je me lève tôt pour aller au taf et donc bah il y a la fatigue qui apparaît, voilà c'est tout, c'est comme ça. C'est des trucs qui ne s'inventent pas, voilà. Je mets à charger mon téléphone, s'il veut bien charger, oui c'est bon. Et on va partir bah, pour regarder, pour la suite du professeur Layton, où on va voir, on va essayer de trouver le tueur de Rupert, parce qu'on se rappelle, la dernière fois, Rupert a été tué, mais on va avoir un petit résumé, donc, voilà. Donc, si je fais ça, le live est là, le jeu est là, et ça je fais ça, voilà, le son du jeu, let's go! Tout est bien, tout est bon. Tout est quali. Tout est bien fait comme il faut. Voilà. Donc, continuez. Hop. Je vais continuer. En choisissant tour de l'horloge. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était arrêté à la tour de l'horloge. Mais on va voir un résumé de la dernière fois. Précédemment, dans Professeur Layton et l'étrange village, Luke et le professeur parviennent à ramener Claudia au manoir. Mais l'horreur a frappé. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Chalmet attend Layton et Luke de pied ferme. Averti du meurtre, il s'est aussitôt rendu à Saint-Mystère pour mener l'enquête. Selon lui, Layton et Luke font partie des suspects. Peu de temps plus tard, un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon, disparaît. À la demande de la baronne, Luke et le professeur se mettent à sa recherche et enquêtent au village. Donc voilà, notre but c'est d'aller rechercher Ramon, le jambon. Et on a réussi à aller au nord du village parce que il y avait la tour de l'horloge qu'on a passée. Oui, demander qu'il fallait faire fin à 15 énigmes, un truc comme ça. 12 ou 15 énigmes pour passer la tour de l'horloge, ce qu'on avait automatiquement. Et on s'en était arrêté à là devant une petite fille et un chat qui joue avec une souris. Et donc, bah, on va partir. Déjà, on récupère des pièces SOS. Une deuxième pièce SOS, putain, je suis bon aujourd'hui. Allez, voyons voir ce petit chat déjà. Regardez ce chat, professeur, ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Bah oui, Luc, il existe d'autres chats, t'es bête. Oui, c'est un chat de gouttière, il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Une énigme là? Énigme 36, trou de souris 30, picarate. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois par portée de 12. Les sourisseaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces sourisseaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Les types de souris qui nous intéressent ici est capable de mettre une boîte. Nanana. Mais c'est totalement débile. C'est 1. Au bout de 10 mois, j'aurai toujours une souris. Parce que pour procréer, faut qu'il y ait 2. Faut qu'il y ait 2 souris pour procréer. Donc 1, je dirais. Parce qu'il faut être 2 pour procréer, pas 1. Et ben voilà, let's go, ça commence bien. On galère pas sur la première énigme de la journée du live. Bonne réponse, votre souris ne peut pas procréer toute seule. Voilà, c'est tout con. Là, je l'ai résolu très vite cette énigme. C'est waouh. Elle est trop bien la musique du professeur Layton. Du professeur Layton. Correct, excellent travail, Luc. Mais oui, mais elle était trop simple. Un morceau de tableau et trop de souris ajoutées à la liste. Mais oui, c'est des énigmes que j'aime bien, entre guillemets, parce que faut... Comment ça s'appelle? Tout l'introduction de l'énigme ne servait à rien. Il y avait juste... Genre, t'as juste la question, combien de souris vous avez une souris, combien de souris auriez-vous au bout de 10 mois? Tu t'en fous, t'as qu'une souris. Si t'en avais 2, là, oui, il fallait réfléchir et tout, mais il n'y en avait qu'une. Donc il n'y avait pas besoin de réfléchir. Ah. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Let's go, une deuxième énigme. Énigme 107, verre pomme, 30 picarates. Un petit verre
rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe du taquin. Faites glisser les pièces pour que le verre apparaisse au milieu de la pomme. Oh. Avec seulement 8 pièces à déplacer, la tâche peut sembler facile, mais ce sera sans doute plus difficile que vous l'imaginiez. Oh non, j'aime pas ces énigmes à la con. Bah voyez, au milieu de la pomme, c'est bon, c'est fini. Oh non, j'aime pas ça. Help me. J'aime pas du tout ce genre d'énigme. Super, on m'appelle. Non, bah c'est une suspicion de spam, donc je vais pas répondre. On me suspicionne de spam. Donc celui-là va là, et celui-là, faut que j'arrive à le mettre là. C'est le genre d'énigme que je n'aime pas du tout. Ces trucs-là, je n'ai jamais compris comment ça fonctionne, en réalité. On est parti pour jouer à ce jeu 70 ans, pour tout vous dire. Je suis perdu, je sais même plus quel truc je dois mettre là, c'est celui-là que je dois mettre là, ok. Voilà. Donc le bas il est bon. Le bas est ok. Oh non, j'y étais presque. Shit, j'y étais presque. Oh, l'énigme de merde que j'aime pas. Regardez, je suis déjà à plus de 100 coups. Et ça va me trigger parce que là, le jeu va me dire on peut résoudre cette énigme en 12 coups, un truc comme ça. Mais ça va bien me trigger. Parce que dans ma tête, je vais me dire, ouais, bon, bah, je suis vraiment un nulos. Un moment, en faisant un peu nawak, ça fonctionne. Regardez, j'y suis presque. Pour tout vous dire que ça fonctionne en faisant n'importe quoi à des moments. Lui, il faudrait que j'arrive à le remettre là. J'ai vraiment pas envie de toucher le bas parce que je sais que... Bah le bas, je l'ai réussi et ça me ferait chier de niquer tout le bas que j'ai fait alors que j'ai réussi à le faire, quoi. Hop. Shit, j'y suis presque. Oh! C'est bon, elle est pas finie ta pomme là? Les 200 coups, let's go! Ah, j'ai tout niqué. Peut-être pas, attendez. Hop. Faut juste inverser ces deux-là, merde! Shit. Here we go again. Je pense que je vais revenir plus tard sur cette énigme. Que c'est vraiment le genre d'énigme que je n'aime pas. Et que je peux galérer 10 ans dessus. Ah là, la pomme est faite là, non, c'est bon. La pomme elle est bonne, merde. Faudrait que j'arrive à inverser les deux. Mais comment tu fais ça pour inverser les deux ?
Ouais, je sais, j'ai détruit le bas. J'étais un peu obligé. C'est pour la science. Hop là, ça dégage. Je laisse pour plus tard. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué. Si, si, c'est trop compliqué ce genre d'énigme. Allez, on va parler à la fille. Enfin. Oh, j'ai rage quitte l'énigme. N'importe quoi. Hihihi, vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventée ensemble. Vous voulez bien essayer? Oh! Encore une énigme, let's go. 37 affaires de famille, 40 picarates. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, sœurette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je me les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi tu me donnerais pas et pourquoi tu ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plus tôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Oh non, j'aime pas ce genre d'énigme non plus. Bon, après, vous avez. À chaque fois, vous me dites, mais. Vous dites, mais t'aimes aucune énigme, Link. Ouais, c'est ça. Alors, si j'enlevais 2 ans de mon âge, genre, on va dire que le gamin, il a 10 ans. Donc, si j'enlève 2 ans de mon âge et que je te les donne, c'est-à-dire que si tu enlèves 2 ans, donc c'est-à-dire qu'il passe à 8, hop, et qu'on va dire que la petite fille a 8 ans, tu lui donnes 2, ça fait 10. Et là, ça fait 2 fois notre âge, non. Parce que 8 fois 2, ça fait 20, pas 10. Donc non. Donc faut que ça soit un multiple de son âge. Pourquoi tu me donnerais pas 3 ans de ton âge? On va dire que le garçon il a 13. Donc il passe à 10. Tu donnes les 3 à la fille. Et donc 13 x 3. Non. Si, 13 x 3, ça fait combien? Ça peut pas être ça, parce que ça fait beaucoup trop élevé, 13 x 3. Non, non, non. Pourquoi tu n'aurais pas 3 ans de ton âge, plutôt? On va dire 6. C'est-à-dire qu'il y a 3, tac. Trois fois plus âgé que moi, donc 3 ans. Donc ça fait 3. 3 x 3, 9. C'est pas bon non plus. 4 x 3. Non. Donc lui, il n'y a pas 6. Non, non, j'ai pas envie de quitter. Je veux juste effacer. Voilà. Donc on va dire qu'il y a 9 ans. Alors, si j'enlève 2 ans à mon âge, ça fait 7. Et que je te l'ai donné. On s'en fout, ça fait que 2 toujours, donne 2. Tu auras 2 fois mon âge. Plus 2. Ça fait 6, on est d'accord. 6 fois 2, ça fait 12. C'est-à-dire que ça se trouve la fille a 4 et lui il a 12. Ok, on part dessus, on part sur 4 et 12. Pourquoi me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge? Donc, 4, 5, 6, 7, elle passe à 7. 7 fois 3. J'aurais 3 fois ton âge. Donc ça fait 7. Et elle aura 7 ans. Et donc, elle n'a pas 3 fois l'âge.
Ah, mais tu me donnerais pas 3 ans de ton âge, c'est-à-dire, ça veut dire quoi 3 ans de ton âge? C'est-à-dire qu'il a 3 ans, quoi. Ouais, faut pas qu'il y ait un si grand écart d'âge, déjà. Donc on va prendre 7 et 6. Non, ça peut pas. 7 et 9. 7 et 9. Ça fait 10. C'est pas bon. Après, on peut toujours prendre. Tu sais, Serette, si j'enlevais 2 ans de mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois. Alors, hein, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais. Après, il dit. Tu auras 2 fois mon âge après partir de l'âge nouveau qu'il a ou l'âge officiel. C'est le problème. On part sur 6, par exemple. Donc ça, c'est un 6 qui était raté. Ah, mais la souris, elle fait n'importe quoi. Tu pars sur 6. 2 ans. 6, 8, fait 8. D'accord, attendez. Je pense que il faut partir sur l'âge avec le moins. Parce que là, j'ai un truc. 6. 6 plus 2, ça fait 8. On est d'accord. Et donc, s'il donne. Et donc, 6 plus 2, ça fait 8. 8 divisé par 4, par 2, ça fait 4. On est d'accord. Donc, ça veut dire que si je prends le truc, là, il a 2 fois son âge. Si t'enlèves, les deux, ils ont 6 ans, ça veut dire? Je partais sur un truc en partant dans un truc, je suis parti. Donc, 6 plus 2, 8. 8 divisé par 2, 4. 6 moins 2, 4. Maintenant, faisons dans l'autre sens. 6 moins 3, ça fait 3. 6 plus 3, ça fait 9. 3, c'est ça, c'est 6. Il fallait partir, parce que moi, je restais sur l'âge, sur le premier âge. Mais si tu prends comme ça, les deux, c'est des jumeaux. Ce sont des jumeaux, ils ont 6 ans. Ah, il faut cliquer sur la case, d'accord. 6 et 6, pour moi, c'est des jumeaux, ça veut dire. There we go. Oh là 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 Another puzzle solved. là. Oh là 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 là. Le pro. Bonne réponse. Les conditions écrites dans l'énoncé de l'énigme se vérifient que si le frère et la sœur ont tous les deux âgés de 6 ans. Ce sont tout simplement des jumeaux. Ouais, regardez. 2, 4, 6. 6 ans. Tu enlèves les deux tri, tu les mets là, ça fait 8, et là tu fais la même, ça fait 3, ça fait 9. Ouais. Ok, il fallait repartir du nouvel âge et pas de l'âge. Bon, bah c'est bien, c'est un peu mieux passé, même si. Ouais, non, c'est pas. Ouais. Oh, c'était trop facile pour vous, tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir, et il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord jusqu'à croisement, ensuite prenez la ruelle sur la droite. Allez, je dois partir, j'espère qu'on pourra rejouer ensemble. J'ai obtenu une petite bricole. Ça commence bien. Une petite bricole pour notre petit chien. Oh, c'est la tête. Et le tableau, qu'est-ce qu'on avait reçu comme bout de tableau? C'est un coin. J'ai envie de le mettre là, ce coin. Même si je sais que ça n'arrête pas ça.
C'est-à-dire que lui, on va peut-être le mettre de ce côté. Ah, ça colle pas, non. Bon, bah. On va le mettre là pour l'instant. Comme je vous dis, le tableau, tant que j'ai pas toutes les pièces, je peux pas le faire. Hop. La porte est fermée. Bah, normal, on rentre pas chez les gens comme ça. Allez, allons vers. Oh, le café semble ne pas être encore ouvert. Oh, une pièce SOS, bim. Oh, mais encore la vieille. Mais elle est toujours là, elle. Aïe aïe aïe, il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter un destin terrible, voire funeste. Oula. 39 d'un seul trait encore. Non. Pas ça. Le principe du dessin à un trait, nanana, en suivant ce principe, regardez, 4 dessins ci-dessous, l'un d'entre eux ne peut pas être tracé en un seul trait. Tac. En plus, ils vont nous dire comment savoir qu'un truc ne peut pas... Ok, celui-là peut être fait en un trait. Celui-là. Celui-là, si j'ai bien compris, peut être fait en un trait aussi. Lui. Genre, je pars d'ici. Lui, il a l'air d'être compliqué. Mais lui, je pense qu'il peut pas être fait en un trait. Non, celui, le chapeau, tu peux pas le faire en un trait. Je suppose. Les autres, t'as l'air, mais pas ce chapeau. Je dirais le chapeau. Well, here's my guess. Allez, let's go! Lightning's apprentice saves the day. Bonne réponse. Lorsqu'on observe ce genre de dessin, il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible de réaliser en un seul trait. Hein ? Donc faut qu'il y ait des... Faut avoir des intersections de nombres pairs de traits. Ou alors que deux intersections avec un nombre impair. Par exemple, ici, les intersections, c'est des intersections paires, parce que là, c'est 4. C'est une de 4. Là, il y en a 2 de impaires. D'accord. Ok, je ne savais pas pour ça. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur. Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec. Bah, bon, bah, je crois qu'il me réussit plus facilement. Il veut quoi, lui ? Ah, qu'est-ce que vous voulez, Zapom? Les indices sont là, vous me demandez quelque chose. Non, inutile de nier, je le lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Énigme 38, le pont des îles Kauai. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kauai. Souhaitez visiter chacune des îles en le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devriez-vous placer le nouveau pont? Donc déjà, on va faire des petits traits. Ah merde! Tu commences par exemple là, tu fais tac, 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 tac. Genre tu visites ça, 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 ça. Ou alors tu fais ça, 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 ça. Tu mets le pont là, tac, tac, tac. Ouais, le pont tu le mets là. Parce que regarde, tac, hop, 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 hop. Hop, 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 ici t'es là. T'es obligé de partir sur la droite parce que si tu pars sur la gauche, tu te bloques. Tu fais tac, 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 tu mets le pont, tac, 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 tac. That should do it. Le cerveau fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Le cerveau fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà, j'ai le chemin que j'avais fait. Voilà. Bonne réponse, allez Oust, allez visiter ces îles paradisiaques.
Je le savais, un collègue détective. Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception. Je ne laisse jamais filer. Oh, une petite bricole. C'est la langue? C'est une langue que j'ai gagnée? C'est une langue. Je dis qu'on a bientôt fini le chien, quand même pas. Fume pas trop, Link. Pas bientôt fini. On va aller à gauche. Même si on nous a dit d'aller à droite. Ah. On va parler au monsieur. Auriez-vous une minute? Archibald, j'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. Les gens, tu les rencontres la première fois une énigme. L'âge de mon père. Oh non, un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande « Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà ?» Le père répond « Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. » Donc, lui, il a 22 ans. Donc, à la somme de ton âge. Donc, ça fait 22, ça fait 4. Il y a la moitié du mien. Genre, on va dire que le père, il a... Et il faut qu'il y ait la moitié. Donc, x divisé par 4, par 2. Pour arriver sur l'âge. Si par exemple il y a 40... Merde. 22... Enfin... 22 est déjà noté là, donc ça fait 4. Si par exemple le père il y a 40 ans. La moitié de la somme de 40... Enfin la moitié de 40 c'est 20. Donc ça fait 24, donc c'est mort. S'il a 60 ans. Ça fait 30, 34 c'est mort aussi. Mais je suis con, à la somme de ton âge. La somme de ton âge, c'est-à-dire 22 ou 4, ou 2 plus 2, 4. À la somme de ton âge, pour moi, la somme de ton âge, c'est 4. C'est 2 plus 2, quoi. C'est ça que je me demande. Et donc, tac, tac, tac. Après, ça veut dire que le père, il a... Non, je pense qu'il faut prendre le 22. Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien, d'accord? Il doit avoir une subtilité quelque part. Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Mais quand ils disent la somme de son âge, ça que j'ai pas compris, c'est qu'il faut prendre le 22 ou le 2 plus 2 égale 4. Ça que je comprends pas. Parce que si il faut prendre le 22 et non pas le 4, et bah, si tu prends la moitié du sien et l'âge, 44, 42, attends. Mais après, si c'est 4. Mais non, mais 4, c'est impossible. Parce que 4, ça veut dire que le mec, il a 652 ans. Donc, t'es obligé de prendre le 22. Donc, 22 correspond à la somme de ton âge et à la moitié du mien. Donc, 22. Il a 22 ans. Donc, on va partir sur 40. Si tu prends 40, ça fait 20. 20 plus 22. 42. Pas bon. Par exemple. Tu prends 42, ça fait 21. Ça fait... On est à 43. C'est 44.
La réponse c'est 44. Regardez, 44. Tu divises par 2, c'est 22. Donc si tu mets le 22 plus la moitié de son âge qui est 22, qui est 44, donc 22 la moitié, ça fait 44. Mais donc c'est bien la somme 22 total qu'il faut prendre, et pas le 4, le 2 plus 2, 4. Oh, c'est ça. Donc ouais, fallait bien prendre... Bonne réponse, si la moitié de l'âge du père plus âgé du fils correspond à l'âge du père, alors l'âge du fils est égal à la moitié de l'âge du père. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas juste 2 plus 2 ça fait 4 et donc faut pas... Je sais pas pourquoi je partais sur le 4. Le fils a 22, le père a donc 44, voilà. D'accord, mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps, bonne journée. Bon, au moins, on récupère des bricoles. Il va servir à quoi ce chien après? Parce que, ok, on aura un chien, mais... Il servira à quoi récupérer les pièces SOS? Le marché est bien achalandé. Bah, allons à droite. Chercher Ramon au mort. Hop, là, une petite pièce SOS. C'est qui, lui? Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes Jarvis? Ah, c'est Jarvis! Je vais vous dire, ces derniers temps, son mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Fui! Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Voilà, je ne sais pas de quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Japon. Il pourrait peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Japon, vous dites? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous n'avez pas vu en venant ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée était loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Votre liste de mystères contient présent les trucs enlèvement. Youpi. On parle d'enlèvement maintenant. Ah, journal. Jarvis nous a dit qu'un homme du nom de Zappon pourrait peut-être nous fournir des informations utiles. On trouvera ce Zappon devant le café là où les autres routes se croisent. Ah oui, d'accord, il sait où il se trouve, d'accord. Pas même besoin de parler aux habitants. Ah, d'après les rumeurs, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvements ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue ou souffrent d'autres problèmes de santé. Moi, je serais un des premiers enlevés, ça veut dire. Il n'y a pas d'autre énigme? Enfin, il n'y a pas une énigme? Ah ouais, je ne sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui plaignent d'être fatigués, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ok. Et bah prenons l'autre route. La porte est fermée. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous pouvez bien m'aider à résoudre cette petite énigme ou ce petit problème, je sais plus ce qu'il a dit. Énigme 14, 30 sur 30. 14? Non, 41. Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend séparant les pièces en deux Salut groupes Link, distincts. J'ai un sub pour toi. Mais avant une énigme. Salut Pika. Aïe, 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 une énigme, on veut l'énigme, on veut l'énigme. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Ça, c'est une énigme que je ne vais pas aimer du tout. Celle-là sera vers le haut. Ça fait une. J'essaie de voir une. Elle sera dans le haut. Ça sera vers le bas. Si tu tires cette corde,
Ça leur partira vers le haut, ça fait 2. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être. Mais c'est impossible cette énigme. Bah, il suffit de voir quelles pièces sont pas entourées de ficelles. Ah ouais? Genre celle-là sera vers le haut, tu vas me dire? Celle-là, c'est sûr qu'elle est vers le haut. Celle-là, elle risque d'être vers le haut aussi. Donc s'ils sont pas entourés de ficelles, ça fait 1. Je sais pas si celle-là compte comme entourée de ficelles. On va mettre des petits points dessus. 1, 2, 3, 4. Non, celle-là est entourée de ficelles. Genre celle tout en bas au milieu. Et celles tout à gauche sont pas entourées de ficelles, donc elles ne viendront pas. Après, il suffit de tout compter les pièces et de soustraire les pièces qui montreront pas. Ouais. Attends, tu me dis tout en bas au milieu, genre celle-là. Donc cette pièce. Ok. Et celle tout à gauche, c'est-à-dire celle-là. Ah mais je suis con putain. Mais moi je croyais qu'il tirait comme ça et que la ficelle allait faire un trait comme ça, la ficelle. Alors qu'elle va faire un espèce de trait comme ça, je pense. C'est aussi pour ça que je suis un peu en galère, non, c'est ça, je sais pas. Ça va être un truc comme ça. Genre celles qui n'ont pas de ficelle. Genre celles qui sont pas entourées ne viennent pas. Parce que le mec le tire comme ça. Et vu que toutes celles qui seront entourées de ficelles vont être tirées vers le haut, comme ça. Ok, j'ai une idée de réponse mais je vais te laisser galérer. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y a 32 pièces. Apprenez à compter avec Link. Il y a 32 pièces. Donc celles qui sont pas entourées de ficelles, ça fait 1, 2, 3, je veux dire qu'il y avait combien de pièces? Salut Electronic Blizzard Art. Je dis qu'il y avait 33, 34, 33 pièces. Donc ça fait 30. Pour moi, je pars sur 30. Luke, here's my answer. Oh, c'est incorrect. Un peu de patience et vous arriverez à trouver la solution. Comment ça, un peu de patience? Je n'ai pas la patience de tout faire. On a dit qu'il y avait 33 pièces. Je vais quand même les recompter, mais si je me rappelle bien, j'ai dit 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y en avait 32. Donc ça fait 29 si je reste dans mon truc. C'est déjà, je sais pas compter le nombre de pièces. There we go. Toujours pas. C'est la première énigme. Ça fait 40 minutes que j'ai commencé à jouer.
C'est la première énigme sur laquelle je galère. Non, en vrai, je t'ai dit de la merde. Du coup, tout petit indice, il y a moins de pièces que tu vas gagner que celles qui vont rester en bas. Bah merci, Pika. Merci beaucoup de ton aide. Donc, il y a déjà 32 pièces. Je vais le noter. Au moins, on est sûr, il y a 32 pièces. Mais genre, c'est sûr que celles-là, déjà. Et celles-là ne passeront pas vers le haut. Ça, c'est sûr. Vous savez quoi? On va faire appel aux indices. Il n'y a pas de pièces, de piège. Il suffit de se montrer consciencieux et de compter les pièces. J'ai testé un truc. En vrai, tu suis la ligne et tu regardes celles qui sont dans la ficelle et pas à l'extérieur. Ah ouais, peut-être. On va suivre la ficelle. Donc lui, elle est extérieure. Extérieure, donc celle-là ne compte pas. Paf, zéro. Extérieur, zéro. Extérieur. Bah après, elles sont toutes à l'extérieur, tu vas me dire. Parce que celle-là, elle est à l'extérieur ou à l'intérieur, celle-là? C'est ça le problème. Attends, déjà, l'indice, il me disait quoi? Bah, je sais déjà qu'il y a 32 pièces. Donc, vous pouvez utiliser votre stylet pour suivre la ficelle. En repérant les parties qu'elle tirera vers le haut, vous devrez être en mesure de trouver la réponse très facilement. Ah non, mais moi, je ne vois pas dans l'espace. Je sais pas comment t'expliquer. Mais non, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que je ne vois pas dans l'espace. Là, si tu tires ici, cette pièce ne vient pas en haut, ça c'est sûr. Mais celle-là, je sais pas. Parce que la ficelle, elle peut faire un... Et paf, la pièce se retrouve en haut. Mais celle-là, je pense qu'elle sera pas en haut non plus. Mais genre, celle-là va être en haut. Donc ça fait 1. Non, mais je veux pas mettre ma réponse. Ça fait 1. 1 ici. Ça, si tu tires la ficelle, celle-là va en bas. Ça, si tu tires la ficelle... Celle-là partira en bas. Paf, 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 paf. Celle-là part vers le haut. Donc ça fait 2. On est à 2. Tac, tac, tac. 2, 2. 3. 4. 5. 6 peut-être avec celle-là. 7. 8. 9. Dix. Onze. 12, 13 peut-être avec celle-là. Et encore celle-là risque de partir sur le côté, donc 12. 13. 14, peut-être pas 14. On va rester sur 13. 14. Partir sur 14. There we go. Oh, ça me casse les couilles. Bon, moi, on peut plus perdre de Picarat. C'est bon, on est parti. Attends, en tout cas, en comptant jusqu'à 14, t'as dit le bon nombre. C'est 12? Alors c'est 12, mais pourquoi 12? Ah, je vais tous les faire, tant pis. There we go. Je peux plus perdre de Picarat au prix où j'en suis. 10 peut-être? Frankly, I'm ashamed. Peut-être 10. That should do it.
J'ai testé le 11. Puis après, on va réfléchir. That should do it. Ou alors, est-ce que ce serait pas des petits bâtards les développeurs des jeux et que la réponse ça soit ça? PTDR, tu vas t'exploser la tête à la fin. Non, c'est pas zéro. J'ai pas cru, mais. How embarrassing. Ou alors une, juste une pièce. Parce qu'en vrai, celle-là, elle est sûre d'aller en haut. C'est 1. Non, pas cette 1. Imaginez, c'est ça, c'est 1. C'est une pièce. J'en ai marre. C'est quoi la putain de solution, merde. L'énigme de con. Vas-y, on va utiliser le troisième indice, tant pis. Il y a 32 pièces. En tirant sur la ficelle, vous n'en récupérez même pas le tiers. Le tiers de 32, c'est quoi? On va ressortir la petite calculatrice. 32 divisé par 3. Donc j'en récupère moins de 10. 8. Ah, c'est 9. There we go. Tant pis. Mais cette énigme, je suis abasourdi par cette énigme nulle. Je suis abasourdi par cette énigme nulle. Je comprends pas, enfin je sais pas. On va avoir l'explication. Ouais, c'est bien. On a sauvé. Bonne réponse, vous allez récupérer 9 pièces. Bien que cette énigme soit très simple, suivre les contours de la ficelle peut s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît. D'accord, oui, d'accord, je viens de... Oh putain, je viens de capter. C'était vraiment tout con. Mais oui, mais putain, mais c'était tellement débile. Mais elle était débile, cette énigme. Fallait juste prendre les deux extrémités de la corde et suivre les trous là où il y avait des trous. Oh, c'était débile, mais je suis débile. Oh là là là, mais. Ouais, t'avais raison, voilà, je vais m'exploser la tête. Voilà, je viens de m'exploser la tête, je suis débile. Eh bien, voilà un homme intelligent. Non, je suis pas intelligent. C'est mon chat qui est intelligent, pas moi. C'est genre ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais, mais j'ai pas compris comme ça. Eh bien, voilà un homme intelligent. Non, voilà un chat intelligent. Faut remplacer homme par chat. Ou même, voilà un Pikachu intelligent. Maintenant, faites-moi plaisir et aidez-moi à retrouver cette pièce. Non, cette pièce, tu te la mets dans ton cul. J'en ai marre, je veux plus voir de pièces. Super, j'ai gagné des bricoles. Hop là, le petit museau du chien. Tant pis. On va aller revoir Zapata là, lui. Je sais même plus son nom. Zapone. Vous enquêtez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous pouvez exposer ma théorie sur la situation. Enfin, eh bien. Quelque chose ne va pas? Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez vous voir que Michel dans son restaurant conseil de détective. Parler à Michel dans son restaurant. Il est où le restaurant déjà? Je sais même plus où il était le restaurant. Il était pas là-bas. Ah oui, il y a toujours cette énigme. Il y a cette. En même temps, j'ai joué à tous les Layton et j'ai même vu les films. Le film. J'ai pas vu le film. Voilà, cette énigme aussi que j'y arrive pas. Ah, c'est pas perdu de Picarat en la quittant. Voilà, ce truc où il faut bouger les trucs pour mettre le truc au milieu et tout. Cette énigme aussi, je n'aime pas ce genre d'énigme. Donc, pour moi, c'est terminé. Oh, j'y étais presque. On ne peut pas intervertir ces deux pièces en mode interversion et fini.
Oh, fuck. Voilà, cette énigme que je n'aime pas du tout, ce genre d'énigme et de jeu que je n'aime pas. Voilà. Allons voir Michel à son restaurant. Quand je joue à Project Zero, j'avais une énigme du genre avec plus de cases au plein milieu, 30 minutes pour la faire. Ah ouais. Oui, vous cherchez un restaurant, il est tout près. Continuez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans le village, mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter de faire le strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y, Luc, nous avons du travail. Allons voir. Lui, il n'a plus rien à dire, on est d'accord. Il a fini, lui, avec ses énigmes. Vous n'avez toujours pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans un drôle de monde, je vous le dis. La réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. Ah, si, il avait une énigme. J'ai zappé son dialogue. Tas de feuilles. 40, picarate. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Les lignes montrent les feuilles, les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles superposées? Oh là! Voilà là là là! Ça, c'est encore une énigme où il faut voir dans l'espace. Déjà, il y a combien de feuilles? 1, 2, 3, 4. Il y a 7 feuilles. Sans réfléchir, j'aurais dit 6. Il y a 7 feuilles. La plus grande feuille est là. 2. Parce qu'ici, il n'y en a que 3 qui sont superposés. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, je te fais confiance, Pika. Je te fais confiance. Ah non, c'est pas 6. Il y avait Bern dans le chat, et lui, il aime bien ces jeux. Du coup, à chaque fois, il me disait « Non, mais pas là, pas par là ah. !» Et tu dis bien la position de chaque feuille. Je dis Bern alors que c'est Bernache, mais c'est pas grave. Pour distinguer les différentes couches. Ce n'était pas 6. Alors attendez, réfléchissons encore. On a une première feuille qui est là. Donc une feuille. On a une deuxième qui est avec celle-là et celle-là, donc c'est bon. Une troisième qui est là. 5, 6, 7. C'est 7. Ça doit pas être loin de 6 alors. C'est 7. C'est pas 7. Ah, j'ai dit ça d'une façon en mode. Et ouais, c'est 7. 5. Bon, bah, c'est 5. Ouais, c'est ce que je me dis, ça doit être 5. On va tenter 5. On a pas grand chose à perdre. À part du temps. That should do it. Je suis trop fort! Du premier coup. Voilà la fameuse explication. Ah, d'accord. Voilà une énigme dont le principe est fort simple, mais qui en demande pas moins très intéressante. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Mais le problème, c'est que, vous voyez, si j'avais des crayons de couleur, je pense que j'aurais trouvé plus facilement, parce que je l'aurais colorié comme dans le dessin, les trucs qui sont ensemble, pour ensuite voir. Mais tant pis. Bon travail, mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celle-ci. Si vous avez du temps, revenez me voir plus tard, je vais vous préparer de nouvelles énigmes. Ok. Eh ben, je viendrai te voir plus tard. Je sais pas ce que j'ai gagné comme babiole. J'ai gagné la deuxième oreille. Allez, journal. Zappone nous aide pas.
Nous avons parlé à Zapon, bien qu'il soit persuadé du contraire, il ne nous a fourni aucune information utile. Malgré tout, il a laissé entendre que Michel, le cuisinier, pouvait avoir des informations pour nous. Nous allons donc faire le tour au restaurant près du Pork. Let's go! Je me suis trompé de bouton. Je voulais cliquer sur la chaussure, je vais cliquer sur la valise. Hop! Oula! Ça m'a fait peur! Ah, c'était quoi au début ce bruit? Eh, j'en peux plus! Que quelqu'un arrête ce bruit horrible par pitié! Un problème, monsieur? C'est moi qui t'appelle, monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Oublie ça. Je suis furieux! C'est ce bruit, cet horrible vacarme, je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant cela, ça ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provient de la tour et est presque constant. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté de tour? Comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me demandez, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour. Ok. Je l'ai jamais senti ce Michel, moi non plus. Hihihi. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate, il a vraiment l'air débile. Ah mais on lui a déjà parlé à elle. Il y a un autre truc à nous dire ou c'est fini tout avec lui? Cette fois, j'en peux plus. C'en est trop. Voilà le moment où la cocotte explose. Pourquoi je suis énervé? C'est à cause de cette fichue énigme. J'essaie de trouver la solution depuis hier matin et je n'y arrive pas. Je suis malade et pour combler le tout, je n'endors plus la nuit. Espèce d'énigme à la noix! Vous l'essayez peut-être, mais je crois que c'était la tour qui t'empêchait de dormir, pas une énigme. Oh bah oui, ça doit être un monstre. Je pense. 30 picarates. J'ai pas vu le nom du... Histoire de gélule. Ah, cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis, étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum? Donc il y a 10 gélules. Une gélule par jour. Donc il y a 10 gélules là. Bah il peut y en numéroter que 9. Parce que la dixième... si elle a pas de numéro... voilà. Mec il est fatigué, il n'y a même plus de trucs. Soit je suis con, soit c'est plutôt simple. Bah moi je dirais 9. Parce que la première il la prend maintenant. La numéro 1 la prend maintenant. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que la première, il la prend tout de suite. There we go. Eh ben, je suis con. Ouais, mais la première, il a vraiment besoin de la numéroter. Mais ouais, c'est ça. Comment feriez-vous si vous vouliez en numéroter le moins possible? Comment feriez-vous pour le numéroter le moins possible? Et le dernier doit la numéroter. Ah, peut-être pas. 8 alors. Ouais, parce que ça, il la mange. Paf. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e, vu que c'est celle qui est pas notée, il se dit, bah, c'est celle qui doit... Qui doit être... Donc 8. There we go. C'est ça. La première, il la prend tout de suite. La dernière, il la numérote pas. Putain, on est bientôt à 1000 picarates, ce truc. Bonne réponse. Il doit avant tout prendre sa première gélule et n'a donc plus besoin de la numéroter. Ensuite, il devra numéroter les gélules de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée car elle sera la seule sans numéro. Il n'est donc pas nécessaire de numéroter que 8 gélules. Voilà, c'est bien ça. Mais, ça va pas la tête! Moi qui étais tout prêt de trouver la solution tout seul, vous avez tout gâché, hein, le culot! Bah, enfin, c'est fait, je peux enfin dormir tranquille. Donc, je devrais vous remercier. Je sais que vous avez du pain sur la planche, en tout cas, alors bonne chance. Oh yes, une bricole! Et il est encore énervé. Une nouvelle jambe pour le chien.
Bon, on va enfin rentrer dans... Est-ce qu'il y a encore une autre énigme, vu qu'il est encore énervé? J'en peux plus, que quelqu'un arrête ce bruit horrible par pitié. Non, c'est bon, c'est le bruit. Ou sinon, il en numérote 0 et il les met dans une boîte avec les jours de la semaine. Il peut faire ça aussi, on est d'accord. Comme ça, il n'y a pas besoin de numéroter. Il y a une autre nouvelle énigme, lui, ou pas du tout? Eh, désolé, je n'ai pas de nouvelle énigme à vous proposer la prochaine fois, peut-être. Bon, bah, on a une, voilà, merci beaucoup. Michel! Michel, je dois te parler. Ron, je n'ai pas vu ici aujourd'hui. Encore une piste qui nous mène à rien. Dommage que vous n'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Bah ouais, parce que lui, c'est un cuisinier. Ramon, ça veut dire jambon en espagnol. Donc, Michel a tué Ramon pour faire des sandwichs au jambon. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup. Vous savez, en ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans Saint-Mystère et qu'il enlève les villageois. Les villageois, d'accord, ok. Super. Il enlève les villageois, le mec. Michel Dumas, ici. Ils enlèvent. Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café. C'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait bientôt ouvrir. Un vieil homme étrange qui enlève à des villageois. Ah ouais, super. Oh là là, chapitre 3 terminé. Trop fort. On avance bien, je pense. Je sais pas. Je sais pas combien de chapitres il y a, on verra ça au fur et à mesure du jeu. Oh non, j'ai raté des énigmes. Oh, je suis nul. On s'en fout. Regardez, professeur, la nuit tombe. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc manger ici demain. Ok, salut Michel Dumas. La nuit tombe dans le village, mystère de Saint-Mystère. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons encore enfin des pistes à explorer. Nous en prenons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Enquête nocturne, chapitre 4. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Bah oui, on va sauvegarder. Hop, oui. Toudoudoudoudou. 36 sur 37. C'est bien, non? Oh, elle est trop bien, la musique. Cet endroit est fermé à présent. Nous reviendrons demain. Twin, oui. On va parler à la dame. Enfin, à la fille, vu qu'il n'y a plus le mec qui s'énerve. Excusez-moi, mademoiselle, vous savez peut-être nous aider. Nous cherchons quelqu'un et... Désolé, je peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que je n'ai pas envie. Ramon, je le connais à peine et je m'en fiche complètement de votre enquête. Mais si vous m'aidiez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolente jeune fille. Oui, j'ai fait Michael Jackson. Pesée lunaire, 30 picarates. La pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre ainsi qu'une balance sur la Lune et que vous la pesez, qu'indiquera la balance? La pesanteur est 6 fois moins forte sur la balance sur la Lune que sur la Terre. Mais c'est totalement con. Parce que oui, l'objet sera 6 fois moins lourd. Mais l'objet fait toujours 600 grammes. Donc, plus de 100 grammes. Ou alors... Elle fait 0 parce que tu ne peux pas poser le poids parce que le poids volera. Ah, c'est... Parce que oui, en vrai... Même si c'est 6 fois moins fort sur la Terre que la Lune et tout. Un 600 grammes reste un 600 grammes. C'est sûr qu'il sera moins lourd, parce que voilà. Mais je pense que c'est zéro parce que avec la pesanteur, ton objet volera et ne pourra pas poser, ne pourra pas être sur la balance. Bah non. Bon bah ma théorie du... Mauvaise réponse, réfléchissez bien quels sont les composants qui constituent une balance.
Hein? Oula, j'ai perdu beaucoup de picarates. Oui, il fera toujours 600, mais sur la balance, ça ne sera pas écrit ça. Bah, si. Enfin, je sais pas. Je suis jamais allé sur la Lune, donc voilà. Donc c'est 100 piles? Non, c'est moins de 100. Ouais, on va faire les 4 réponses et puis voilà, à un moment on trouvera. D'accord. Bonne réponse, la balance indiquera un poids inférieur à 100 grammes. La mise à zéro d'une balance tient toujours compte du poids du plateau. Donc lorsque vous emmenez une telle balance sur la Lune, le plateau pèse également 6 fois moins lourd qu'au moment de la mise à zéro. Par conséquent, ça indiquera une valeur inférieure à 0 grammes à vide. Ah ouais, il fallait penser au tard. Fallait penser au tard. Bon, ça va. Hi-hi-hi. On dirait que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine que la prudence n'est pas le fort de Ramon. Que voulez-vous dire exactement? Un morceau de tableau. Voyons voir où est-ce qu'on peut poser ce morceau de tableau. C'est un coin encore. Ah, ça a l'air d'être une tête. Donc si ça a l'air d'être une tête, ce coin va là. Pour moi, ça ressemble à une tête. Vous n'êtes pas d'accord? Donc ça veut dire que lui, c'est le coin... Partir sur le coin là. Même si je pense pas que ça soit ça. On va rester comme ça pour l'instant, on verra après. Comment je vais le poncer à mort, le jeu Layton sur Switch, quand il sortira? Ouais, bah, je pense que je vais aussi y jouer. Rumeurs. Les rumeurs vont de bon train dans ce petit village. Les deux sujets de conversation préférés semblent être les disparitions dont sont victimes certains villageois et le bruit mystérieux qui émane de nuit de la tour. De plus, Michel a mentionné un étrange vieil homme qui rôderait dans les rues la nuit pour enlever les villageois. Nous en apprendrons de plus au café du village. Il y a encore des trucs là-bas où c'est fermé. Oh! Bah Max, qu'est-ce que tu fais là? Tu surveilles pas la tour de l'horloge? Pardonnez-moi de vous devoir de vous déranger à nouveau. Avez-vous vu Ramon depuis tout à l'heure? Viens, Luc, allons-y. Ah. Bah, il s'est endormi. Oh! Il est là, lui. Celui qui nous a cassé les couilles avec ses pièces, c'est lui qui a cassé les couilles avec ses pièces, non? Ça a l'air. Avançant, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir, jeune, fort, et vous n'avez même pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à retrouver. Oh, j'imagine que j'ai laissé tomber près du parc cet après-midi. J'irai bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez perdu peur du noir, votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux sont plus aussi bons qu'autrefois. Si tu cherches un jeu pour un let's play, je connais un super jeu qui s'appelle Another Code. Mais le problème! Another Code, il sort que sur Switch, on est d'accord. Il sortira que sur Switch, Another Code. Le problème, c'est que j'ai rien pour enregistrer la Switch. Ouais, Another Code Recollection, il sort que sur Switch. Non? Ouais, il sort que sur Switch. Et je ne peux pas enregistrer ma Switch. Oui, je sais que c'est un jeu DS, mais si je veux faire Another Code, je prendrai le... Parce que si j'achète le remake, enfin le remake, la recollection qui sorte, bah ça sera le moyen de le découvrir vraiment, quoi. Enfin, même si c'est pas le support de base, voilà, c'est comme Ghost Trick. C'est un jeu de base sorti sur DS, qu'ils ont refait un remaster qui est sorti sur PC et que je vais peut-être me faire un jour en live, let's play. Mais voilà. Le problème, c'est que là, je joue sur DS, avec l'émulateur et tout. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de procurer ce jeu. À part l'acheter sur téléphone mobile. Voilà. Qui est à 12€ sur téléphone. Mais c'est tout. Mais vu qu'Another Code sortira sur Switch, je préfère utiliser un support plus simple où j'ai pas besoin de d'émuler un truc pour pouvoir y jouer. Alors... Vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes au milieu d'une enquête.
Allons, Luc, tu n'as pas besoin de désagréable. Après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aidez ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Encore un détail, monsieur, qu'avez-vous perdu exactement? Perdu, je... qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre, en fait. C'était la plus belle montre, rapportez-la moi, s'il vous plaît. Près du parc. Fouillez le parc. Mais on peut pas rentrer dans le parc. Y'a Max, la débrouille devant, qui veut pas nous... J'espère que les bruitages d'un undercut dans le remake ce seront les mêmes que dans un jeu DS, rien que de penser au bruit quand une énigme commence, j'ai envie de chialer. Hein, Gérard a encore perdu quelque chose. Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête et sème toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner, sa montre? Effectivement, il a égaré sa montre. L'auriez-vous trouvé par ici? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvée. Mais comme elle est déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais vous demander à résoudre cette énigme, ok? Normalement, j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez? Ça vous inspirera peut-être, non? Oh là, voyons cela, ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. Ah, la belle étoile, 20 picarates. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arriverez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. Putain, un truc de triangle. Un triangle. Deux triangles. 3, 4, 5. 6, 7. 8. 9. 9, 10 ici. Non, ça c'est pas un triangle. C'est pas un triangle, c'est moi qui ai fumé. 9. Ah, j'en vois 9. T'as oublié un triangle dans l'étoile. Ah bon? Parce qu'il y a un triangle là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ensuite, on a celui-là. 7. Qui n'existe pas, attends. 7 avec celui-là. 8, 9 avec ces deux-là. 10. J'ai trouvé. Je pense qu'il y en a 10. Cette étoile m'a cassé les couilles. Ah, regardez bien l'image et essayez de compter à nouveau les triangles. Mais hey, excusez-moi. Sauf que le problème, c'est cette étoile là. Donc t'as un triangle qui est là. T'as un deuxième triangle qui est là. T'as un troisième triangle que j'ai vu qui était, je sais plus comment. Qui était... Pff. 6. 7. 8. 9, 10. Moi, j'en vois que 10. Même sur cette étoile, j'en vois que 7. 8. 8 triangles. Ben, ça fait 10. Ça fait 8, 9, 10. Et j'avais mis combien tout à l'heure? Je sais même plus combien j'ai répondu. J'avais répondu 10, non? Ou j'ai répondu 9? There we go. Ah, I suppose I thought wrong. Parce que oui, ça, j'ai vu qu'il y avait 3 grands triangles et 4 et 5 petits. Donc là on est à 8. 9 avec celui-là, 10 avec celui-là. Il n'y a pas d'autre triangle. Ou alors je suis bigleux et que je le vois pas.
Bon, la réponse c'est 9. Mais pourquoi 9 si c'est 9? That should do it. 11 alors. Bon, on va partir comme ça. Ah mais... There we go. Oh, how embarrassing. Donc j'ai oublié d'être en quelque part. Laisse l'image. Comment ça, laisse l'image? Qu'est-ce que tu dis, laisse l'image? Tu veux que je le mette en plein écran, c'est ça? Donc, attendez, je vais voir Viretti en plein écran sur OBS directement. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 5 grands triangles dans l'étoile. 1, 2, 3. Moi j'en vois que 3. Donc ça fait 12. Donc la réponse c'est 12. Mais s'il y a 12, 5 grands triangles, tu ne vois pas les 5 grands triangles. Je vois pas les 5 grands triangles de l'étoile. On va voir la réponse. Donc ouais, 5 comme ça, ok. 5 comme ça, mais ils sont où les 5 comme ça? Moi j'en vois que 3 dans cette étoile, il y a 12 triangles en tout. La cheminée et le toit nous en font 2. L'étoile contient en tous 10 triangles, 5 petits et 5 grands. Je vois pas où étaient ces cinq grands triangles dans l'étoile. Ah, je suis désolé, soit je suis bigleux, soit... Voilà, mais... Eh, hey, merci bien, je peux enfin rentrer chez moi et dormir un peu. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir, ok? À demain. Viens, Luc, allons-y. On va le donner à Luc. Et on va aller à l'hôtel pour voir... ce qu'ils nous disent. Je te ferai une image avec les 5 grands triangles. Ah bah ce serait sympa, ouais. Je n'ai toujours pas grand chose, il y a encore du travail. Alors, ours en peluche. Eh, hey, salut petit ourson. Petit ours, ah ah ah. Et si je lui mets avec les tons? Cette peluche a un regard des plus expressifs. On va le mettre à Luc. Hop. Oula! Rendons service à Gérard. Notre enquête se poursuit alors même que la nuit tombe sur Saint-Mystère. Nous avons rencontré Gérard sous la tour de l'horloge. Il nous a dit qu'il avait perdu un objet de valeur près du parc. Mais il semblait trop effrayé pour aller le chercher tout seul de nuit. Comme je le dis toujours à Luc, le premier devoir d'un gentleman est d'aider son prochain. Nous lui avons donc proposé notre assistance. Max nous a envoyé vers Béatrice. C'est elle qui a en réalité retrouvé la montre de Gérard. Ce pauvre Max était dans une situation délicate lorsque nous lui avons parlé. Bien qu'il fût terrifié à l'idée de rester dehors dans le noir, il refusait de rentrer chez lui avant d'avoir résolu une énigme qu'il avait en tête. Quant à nous, nous devons maintenant aller parler à Béatrice. Le problème, encore une fois, le problème, peut-être que les 5 triangles, les 5 grands triangles, je les aurais retrouvés si j'aurais pu mettre de la couleur. Voilà. Voilà, j'ai trouvé un point négatif à Professeur Layton. Pouvoir changer de couleur le trait. Pour pouvoir faire plusieurs... voilà. Bonsoir à vous deux, votre journée s'est terminée. Bonsoir Béatrice, je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie! Qu'est-ce que c'est, votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard, il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de le retrouver pour lui. Ah, j'aurais dû m'en douter, ce type est une vraie tête de linotte. En même temps, c'est le premier. Oui, oui, je dis pas que... c'est... voilà. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait qu'être à Gérard. Je pensais justement que vous étiez trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah, merci beaucoup. Vous obtenez une montre. Oh, j'oubliais, juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé vous voir par hasard?
Ramon, le grand maigre avec les lèvres, les grosses lèvres violettes. Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt feignant. Vous le trouverez probablement au café. Vous devriez y aller pour voir. Je vois. Dans ce cas, allons-nous rendre dans ce pas au café. Cela vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le moindre demande, professeur. Un autre client a pris une chambre cette nuit. Je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Il se fait un peu dragouiller, professeur Layton. Oh, alors vous avez retrouvé un monde, n'est-ce pas? Mais bien sûr, un vrai gentleman aide toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon. Nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est un peu particulier de notre particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Oh putain. Vous savez, nous devons vraiment... 47 en cavale, 40 picarates, let's go. Oula. Un voleur est en cavale et essaye de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Ok. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties de A à G. Laquelle de ces sorties notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre? Alors vous savez quoi, on va... Hop. Donc là, il peut aller à droite, tac, tac, tac. Là, il peut aller à gauche, donc là, G, c'est bon. Paf, il va aller à droite, paf, il va aller à droite, paf, 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 paf. La F, c'est bon. Là, paf, paf, là, il tourne, là, il est obligé, et là, il tourne, ah, c'est bon. Paf, 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 là, il tourne là, il retourne sur ses pattes, c'est pas bon. Bim, bim, bim. Genre il peut partir là, là il tourne, là paf, là il tourne, eux c'est bon. En vrai si tu fais tous les Layton par leur date de parution, le point positif c'est que dans le dernier jeu il y a des gros moments d'émotion sur Layton et donc tu seras plus impacté normalement comme ça sera son sixième jeu. Ouais peut-être. Après je vais pas tous les faire à la suite, il y a d'autres jeux en attendant qui feront en attendant le suivant et tout. Paf, 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 paf. Puff, 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 c'est bon. Ah mais c'est... Non, j'allais dire CD, mais non. Tac, tac. Tac, tac, tac. Non, là, on avait dit que c'était pas bon de faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ouais, c'est B. Je pense que c'est B qui pourra jamais prendre. Dans ma logique, je pars sur B. Luke, here's my answer. Oh là 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 là. Critical thinking is the key to success. Eh, tu vois, c'est bien ce que je disais. Parce que B, s'il part pareil, il est obligé d'aller à droite ou à gauche. Ça arrive de là. Et comme il peut jamais arriver d'en haut ou en bas, bah c'est fini. Bonne réponse, si le bandit est obligé de tourner à chaque fois qu'il en a l'occasion, ses déplacements au sein de cette partie de la ville suivront pas forcément le schéma ci-dessous. Suivront forcément le schéma ci-dessus. Par conséquent, peu importe le chemin qu'il prendra jusqu'à la sortie B, il ne pourra jamais s'échapper par là. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devez demander à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, juste à l'entrée du village. Le café se trouve au niveau du croisement, au nord d'ici. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais d'enquêter au café est une bonne idée, merci. Oh, c'est plutôt moi qui devais vous remercier, vous m'avez été d'une grande secours. Monsieur, tout lui est plaisir pour moi. Le tapiron va le donner à Layton, pour l'instant. On va voir ce que disent les experts. Alors, toi pour le tapiron. Je ne pense pas avoir besoin de deux tapis. Génial, j'aime beaucoup cette forme. Oh, voilà. On a notre réponse. Pourquoi j'ai des notifs Discord? Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui partent en live. Super. Ouais, le mec va voir ses trucs Discord en live. Les conseils de Béatrice. D'après Béatrice, nous avons des chances de trouver Ramon au café du village. Notre hôtesse nous a également
remis la montre que Gérard a perdue. Dès que nous l'aurons rapportée à son propriétaire, nous pourrons reprendre notre enquête dans les meilleures conditions. Gérard ayant retrouvé sa montre, nous pouvons désormais reprendre notre enquête sur la disparition de Ramon. Je dois avouer que j'ai un mauvais pressentiment. J'espère sincèrement que nous le trouverons au café. J'espère aussi. Pour vous. Et pour la suite du jeu. Est-ce qu'on peut aller à droite? Ouais. Nous ne pouvons pas rentrer au manoir sans le moindre indice. Poursuivons nos recherches. Ah bon, on peut pas. Tout à fait d'accord, professeur. Bon bah, on est obligé d'aller là. Oh, il y a encore le chat qui se bat avec la souris. Regardez, professeur, il y a un chat ici. Ouais, petit, petit, petit. Tu adores les animaux, n'est-ce pas, mon cher Luc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. Encore? Putain. Ils sont chiants avec leur énigme. 25 picarates, j'ai pas eu le nom de l'énigme. Ça s'appelle comment? Chasse aux souris, ok. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Ok. Donc, si 5 chats attrapent 5 souris en 5 minutes. Combien de chats pour... T'as compris que le concept du jeu, c'est de résoudre des énigmes? Non, ah bon? Je savais pas. Je ne savais pas que le concept, c'était de résoudre des énigmes. Mais là, on est en pleine enquête et il y a Professeur Eton qui arrive et qui dit « si je te donnais une énigme maintenant ?» Mais on est en pleine enquête! Tu viens d'engueuler Gérard qui te donne une énigme et tu en donnes une comme ça à Luc. À un moment, faut... Voilà. Ceci dit, revenons à notre énigme de chat. Revenons à nos souris. Sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Et on sait que 5 chats sont capables d'attraper 5 souris. C'est-à-dire qu'un chat attrape une souris en... 5 minutes aussi, je sais pas. Je dirais 5. Je reste sur 5. Non, pas 3, 5. Non, pas 3, 5. Voilà. Mon 3 qui ressemble à un 5. Enfin, mon 5 reprend... Bah voilà, tout simple. Très simple cette énigme. 5 chats suffisent, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Si la chasse continue 5 minutes de plus, 5 souris supplémentaires seront attrapées. Les 5 mêmes chats sont donc capables d'attraper 10 souris en 10 minutes et 20 souris en 20 minutes. Cela dépend simplement du temps que les chats passent à chasser. C'est tout. Pas besoin de chercher plus loin. Excellent travail, Luc. Oh, un morceau de tableau. Voyons voir. Où est-ce que ce morceau de tableau peut peut-être aller? Oh, c'est un truc qui va au milieu, plein milieu. Et je me demande, est-ce qu'il va pas vers avec le bout de fenêtre? Pas du tout. Ils ont pas l'air d'aller ensemble. Mais ça va avec le niveau de la fenêtre, quoi. Donc je vais le mettre là, pour l'instant. Ok, qu'est-ce que la petite fille a un truc à nous dire? Bonsoir messieurs, c'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous, ça vous dit? Allez, vu que c'est le but du jeu, let's go. 1000 fois, 20 picarates. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit un message suivant. 1, fait 1000. Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque par une seule et même lettre de l'alphabet. De quelle lettre s'agit-il? 1 fait 1000. Un B fait 1000 bébés. Essaye les 26 lettres, tu comprendras.
Un A fait 1000 AA. Un B fait 1000 BB. Un C fait 1000 CC. Putain, un C fait 1000 CC. Comme ça, c'est la nouvelle catégorie de Mario Kart. Voilà. La prochaine catégorie de Mario Kart a été leakée. Un D fait 1000 DD. Un E fait 1000 EE. Un F fait 1000 FF. Un G fait 1000 GG. Un H fait 1000 HH. Oh, putain, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Un I fait 1000 II. Hi-hi. Un J fait 1000 JJ. Un H fait 1000 HH. H. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Putain, j'ai totalement foiré mon alphabet. I, J, K. Un K fait 1000 KK. K, L. Un L fait 1000 L, M. Un M fait 1000 MM. Un N fait 1000 NN. J'espère que ce live vous plaît. N, O. Un O fait 1000 O. P. Un P fait 1000 PP. N, O, P, Q. Un Q fait 1000 Q, Q. Q. R. Un R fait 1000 RR. R, S. Un S fait 1000 SS. C'est un peu... Red, c'est un diminutif. Ça, j'avais compris que ça pouvait être un diminutif, mais... S, O, B, Q, R, S, T... Un T. Fait 1000 TT. Si je te dis 1 égale 1000, ça te fait penser à rien. Bah genre 1 litre, ça fait 1000 centilitres. Un truc comme ça. Peut-être pas 1 litre, mais voilà, un... Un mètre fait 1000 millimètres. C'est le M. J'ai foiré mon M. Voilà. There we go. Un mètre fait 1000 millimètres. Voilà, c'est ça. Mais en plus, j'étais parti sur la quantité. Parce que dans ma tête, quand j'ai commencé à lire et à dire qu'il faut mettre des lettres, je me suis dit dans ma tête... Ça risque d'être un truc d'unité de mesure. Et après, je suis parti sur le litre. Genre, un litre, il fait 1000 LL, mais j'étais en mode LL. Mais non, il n'y a pas d'unité de mesure qui fait LL. Mais oui, millimètre. Un mètre fait 1000 millimètres. Mais oui, mais c'est tout tellement con, c'est tout. Bonne réponse, un mètre fait effectivement 1000 millimètres. Et oui, après, si tu connais tes unités de mesure, tu sais bien que un mètre fait 1000 millimètres. Mais ça, mes unités de mesure, j'ai un peu de mal encore. Plutôt pas mal cette énigme, hein. Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas, mais ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous irez là-bas, d'accord, monsieur? Alors, j'ai envie de te dire un truc. Dans la tour, il y a ma bite. Ok, j'ai gagné une bibliothèque. Bibliothèque. Alors, je vais donner à Layton. Qu'est-ce qu'il dit, Layton? Elle est plus petite que celle que j'ai à la maison. D'accord? Et lui? Une bibliothèque est bien plus utile quand elle est remplie de livres. Je vais la donner pour l'instant à Luc. Et on verra plus tard. Allez, continuons, allons vers le café qui se trouve là-haut. Et lui est de retour. Ah, vous cherchez toujours Ramon? Non? Mais oui, vous cherchez Ramon, aucun doute. Alors, vous ne l'avez pas trouvé? Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. Vous ne devriez pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'elle ne vous inculpera de sens de responsabilité. Allez, vous allez y arriver pour sûr. Énigme 40-50. Dédale numérique 20 picarates. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale
ok, et essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. Quelle sortie allez-vous atteindre ? Alors déjà, je vais partir du principe que je fais comme ça. 1, 2, 1, 2, c'est fini. Finito. 2, 1, 2, et hop, finito. 1, 2, 1, 2, 3, non, finito aussi. 1, 2, 1, 2, finito. Ok, pars pas comme ça déjà. Donc on va faire comme ça. 1, 2. Là, je suis perdu. Je peux plus rien faire de ce côté déjà. Parce que 6 par là, ça n'existe pas, on peut pas. 6 par là, on ne peut pas non plus. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, merde. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est reparti sur un vieux truc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que je vais y aller en mode qu'il faut mettre. Je vais dire réponse C. Luke, here's my answer. Ce n'est pas la réponse C. J'ai pas envie de réfléchir. Oh. Mauvaise réponse, ce labyrinthe a l'air très difficile, mais en adoptant le bon point de vue, les choses te... Oh, le nombre de picarades que j'ai perdu. C'est le B. Je réfléchis, mais c'est le B. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai regardé. Par exemple, là, il y a 3. 3, c'est impossible. Là, il y a 7. C'est impossible aussi de d'y aller. Là, il y a 6. C'est impossible d'y aller. Et 5, c'est impossible aussi. 5, impossible. 4, 1, 2, 3, impossible. 4 aussi. 2, impossible. 2, c'est pas assez. 2, 1, 2, c'est pas assez. 4, trop. 3, trop. Là, t'as 2, 1, 2, paf. Réponse B. Je suis parti comme ça pour la deuxième truc. Voilà. La première, je suis parti un peu en couille, mais oui, il fallait réfléchir comme ça. Bonne réponse, vous ne pouvez utiliser que la sortie B. Regardez le schéma ci-dessous pour voir l'itinéraire à emprunter, à employer. Cette énigme a l'air difficile d'entrée de jeu, mais en raisonnant à l'envers, la solution devient évidente. C'est ça, fallait partir à l'envers. Et voilà, après t'arrives à 2 ici, et c'est le seul moyen d'arriver à destination. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit, pour sûr. Et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance. Et retournez à l'hôtel, ok? Allez, retournez à l'hôtel. Vas-y, on va le donner à Liéton, là. Le truc en tech. Lui, on dirait trop le père. Va à l'hôtel. Ben voilà, je suis à l'hôtel. T'es content? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Cette commode est vraiment splendide. Et lui? Ces tiroirs sont juste, ont juste la bonne taille. Bon, on va le donner à lui parce que lui, il dit c'est splendide. Voilà. On va rester comme ça pour l'instant. Pouing, pouing. Oh, et on rentre dans le café. Let's go. On va parler à Zapato. Zaponi s'appelle. Lui, je vais jamais retenir son prénom. Oh, content de vous voir. Une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans le besoin? Tout cela est très intéressant, mais je crois que nous nous sommes mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. N'en dites pas plus, vous êtes en mission d'infiltration. Allons, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Mais il est con. Zapone, t'es con. Mise en pli. Dit Picarat. Une ville ne compte que deux coiffeurs. Et il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces deux personnes. Ok. D'après ce que vous pouvez voir,
À qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Eh ben, c'est le A. Très simple comme truc. C'est la réponse A. Parce que... il n'y a que deux coiffeurs. Donc, les coiffeurs ne peuvent pas se couper eux-mêmes. Et donc... c'est-à-dire que le coiffeur A a coiffé le coiffeur B et le coiffeur B a coiffé le coiffeur A. Quand on voit la coupe du coiffeur B, elle est magnifique. La coupe du coiffeur A est dégueulasse. C'est-à-dire que le coiffeur B ne sait pas coiffer alors que le coiffeur A s'est coiffé. Donc c'est coiffeur A qu'il faut faire confiance. There we go. Let's go! Le cerveau a fonctionné. Bonne réponse, tout le monde dans la ville se fait couper les cheveux par l'un ou l'autre de ces messieurs. Cela inclut nos deux coiffeurs. Donc, comme il est plus difficile de se couper les cheveux soi-même, le coiffeur avec la coupe à la tronçonneuse est probablement plus doué. Le plus doué des deux. Voilà. Voilà, voilà. Let's go. Oh, vous avez réussi, vous avez résolu cette énigme. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Non. Je l'ai résolu en 10 secondes ton énigme. Même moi, j'avais échoué, incroyable. Oh, ce n'était pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous revu Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir ma mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous vous reverrons peut-être demain. Il est casse-couille, lui. Allez-y, d'aller voir Madame ma mystère. On va voir quelle partie du dessin j'ai gagné. Il y a un bout de fenêtre. Attendez. Eh. Eh. Ce serait peut-être un bout de ça. Et peut-être que cette fenêtre ne va pas là. C'est-à-dire que s'il y a une fenêtre là, c'est-à-dire que peut-être ce truc va aller là. Je pars pour l'instant là-dessus. Allez, on va parler à monsieur, le barman. Oh, salut, je vous ai jamais vu par ici, qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout, merci, en fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Ah, je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis, qu'est-ce que je vous ai de savoir? Un des employés du manoir Reynolds, Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de Saint-Mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous, par hasard, des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah oui, vous parlez de cette vieille rumeur. Alors, vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous en dire sera utile. Vous n'êtes pas du coin et je me trompe, vous voyez? Je voudrais pas que vous quittiez Saint-Mystère pour répondre à des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors je pourrais... peut-être, je dis bien peut-être que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme trois pommes et il mange comme un ogre. Savez-vous où on pourrait trouver ce Prosciutto? Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la rue Al Nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre à pattes. Ok, merci monsieur. Est-ce qu'il y en a un nouveau truc dans le journal? Oui, un nouveau truc dans le journal. Enlèvement. Eddie, le propriétaire du café, nous avait été d'une grande aide. Il nous a indiqué le nom d'une personne qui a vu de ses propres yeux le vieil homme prétendument responsable des enlèvements des villageois. Nous devons parler à cet homme. Sa maison est située au nord du café. Je veux continuer à espérer que Ramon va bien, mais je ne peux pas m'empêcher de craindre le pire. Allez, il doit habiter quelque part là, c'est ça? Mais non! J'ai cliqué sur la botte et je gagne une pièce SOS. C'est ici qu'il habite. Ah, bonjour! Hey, bonjour! Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous avez vu l'étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez! Je crois que ça s'est passé à 4 jours. Journée du marché, quoi, j'ai vu cet homme bizarre dans la rue, il était vraiment effrayant. J'ai été regardé de plus près, ça m'aurait embêté qu'il ait des valises de boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Donc, là, les développeurs ont dit, tiens, si lui s'appelle Ramon, on va continuer dans la bouffe avec un qui s'appelle Prosciutto. Moi, je dis, le prochain, il s'appelle Macaroni. J'ai pas eu la ref de la bouffe avec Prosciutto. Dommage. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard.
Attendez, je peux même faire. Je vais partir dans le. Dans le bon doublage. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette ASMR de bouffage de M&M's. Il commence à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Arrête, sinon je pars. Je pense que je vais au fou, il est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Ah, c'est tout. T'as pas des... Ah bah de la bouffe, allez, let's go. Regardez, c'est une énigme cachée. Youpi, une énigme cachée. La pyramide déguisée, 20 picaras. L'image ci-dessous est le patron d'un tétraèdre, lequel de ces triangles vous devez vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sans interruption. Verification. Je suis en train de me faire... C'est dommage qu'on peut pas faire de... Hop. C'est trop bon le prosciutto d'alors. J'aime pas trop le jambon cru d'habitude, mais celui-là il défonce. Ah, c'est... ah oui, c'est le jambon cru, d'accord, je vois ce quoi. Mais c'est trop bon en vrai. En vrai, c'est trop bon, je dirais réponse D. J'ai pas du tout réfléchi, j'ai tapé totalement au hasard. Mais tu dis bien chaque possibilité. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Pas du tout. Alors, revoyons le truc. T'as la flèche bleue. Ok. Le problème, c'est que je vous galère à voir dans l'espace. Réponse C. Et voilà, let's go! Ouais, professeur, je l'ai résolu. Bonne réponse, pour résoudre cette énigme, il est indispensable de se représenter les objets dans l'espace. Et c'est un truc que je ne sais pas faire! Voilà. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas représenter les objets dans un espace. Et voilà, passons à la suite. Y'a pas une petite pièce cachée dans sa bouffe là? Non. Ah si. Ah non, c'est dans un livre. Bon bah sortons d'ici et... Est-ce qu'on a un nouveau, une nouvelle entrée dans le journal? Pas du tout. Sortons d'ici. Oups, désolé professeur, ça m'est pas du tout que l'enquête m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Ah! Professeur, regardez là-bas! Oh bon sang! C'est Ramon! Oh, oh! Luke! Sir, hold it there! Right behind you! Et bah pas de soucis Pika, bon appétit. Nous, dès que le dialogue est fini, on arrêtera le live là parce que on arrive bientôt à 17h. Il est 17h, il est 16h54, donc bientôt la fin de ce live. Oh non, nous avons perdu sa trace. Donc, Ramon, on l'a retrouvé, il était dans le sac du vieux monsieur et qu'on a poursuivi. Oh là là là. Oh ce. Ça, on peut même presque finir le live maintenant sur le bon cliffhanger, mais on va un peu continuer. Eh ouais, je suis pas comme ça. Moi. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luc, t'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bien de bel et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon?
Quoi ? Gardons la tête froide, Luke. Nous devons retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur, allons-y. Votre liste de mystères... Ah, on y va automatiquement. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça! Oh, le fameux rouage! On en avait déjà un. Il semble que cet objet soit identique à celui que Matthew a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver le responsable des deux meurtres? C'est possible, en tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luke. Nous rentrons au manoir. Enquête nocturne terminée! Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luke et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes, Ramon a été enlevé. Quoi? Mais c'est comment? Je dois faire immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne le permet de l'affirmer pour le moment, cependant il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le trouver le plus vite. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public dans ce village? La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons ça demain matin, à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Enfin, Matthew, vous voyez bien que nous sommes occupés, que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame, c'est au sujet de Ramon, il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer, mais... Oui, après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché, pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Vous ne souvenez-vous vraiment de rien? Ça suffit, Luke. Mais non, c'était bien... Veuillez m'excuser, inspecteur. Il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien. Parfait, je vous souhaite à tous une excellente nuit. Retournez à l'hôtel. Et bah vous savez quoi, on va s'arrêter là, et ouais, sur un bon cliffhanger. On va lire les petites notes qu'on a. Un étrange vieil homme. Contre toute attente, nous sommes tombés sur le mystérieux kidnappeur durant notre enquête. Nous l'avons vu enlever Ramon et s'enfuir. Aussitôt, nous sommes allés prévenir l'inspecteur Chalmé de notre découverte, mais à notre grande surprise, alors que même que nous partions, Ramon est entré de lui-même au manoir. Qu'est-ce que tout cela veut dire au juste? Nouvelle enquête. Alors que Layton et Luke arpentent les rues de Saint-Mystère durant la nuit, un grondement de tonnerre retentit. On raconte que ce bruit vient de la tour, mais personne ne sait exactement ce qui peut se produire, qui peut le produire. Les villageois affirment qu'on entend de plus en plus souvent ces derniers temps. Aïe. Et bah c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce live. J'espère que ce live vous a plu, comme d'habitude. Nous, on se retrouvera demain 15h pour la suite de Professeur Layton et l'étrange village. Toujours un plaisir de jouer au jeu, même si mon cerveau est un peu en galère sur certaines énigmes, et que merci le chat et à Pika de m'aider pour résoudre les énigmes. On se retrouve demain, comme d'habitude, 17h, pour la suite. Voilà, voilà. Donc, c'était Link. N'oubliez pas, si tout va bien, la rediff de ce live sortira demain à 14h. Un truc que j'ai oublié de d'upload la vidéo hier. Donc c'est pour ça qu'elle est sortie très tard. Mais voilà. Bisous les loulous. Bisous à toi, Electronic Blizzard Earth. J'espère te voir demain. Et on se dit à demain. Allez. Bye bye.